alors qu'il se passe des choses incroyables sur ce direct. Des choses absolument incroyables hein, sur ce live, avec par exemple un commentaire sur le chat qui nous dit « Sauber pourra rivaliser avec McLaren quand elle aura le moteur Honda », ce qui est vraiment une grosse info. Bravo à eux. Ah ouais. Ça promet hein, en tout cas une grosse bagarre. Alors, sur cette dernière minute. Voilà, alors sur cette bonne nouvelle, nous allons aller sur Dirt Rally, jeu qui est bien pour la conduire. N'hésitez pas à vous connecter pour savoir si ça marche ou s'il faut que je change quelque chose. Normalement, c'est bon. Mais... Alors attendez, parce que moi je suis même pas sûr d'aller en plein écran avec le jeu. Je vais inviter les gens qui sont sur ça. À vous de rejoindre, Andy. Bonne blanche. Ouais, mais je n'y peux rien, les enfants. Je suis vraiment désolé. Oui. Mais Dirt Rally avec X-Split, c'est une bouse à paramétrer. C'est vraiment, vraiment très très grave. Donc j'en suis vraiment désolé. Oui, mais le Alt Entrée va corriger le plein écran sur mon jeu, mais ne va pas le corriger malheureusement pour vous sur le. Je peux essayer, mais ça va pas le corriger, je pense, pour vous sur le. Ouais, non. C'est pas top. Hein. Pas bon. C'est toujours un peu mieux. Bon, il y aura un petit bord de roue noir sur cette VOD là. Bon, tant pis. Du coup. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous arrivez à me rejoindre au-dessus ou pas? Parce que là, je vois qu'il y a que 4 personnes donc. Cédric Owen, activate the beats on the channel. J'adore ce. Toujours debout, eh oui, vous êtes 71. Ah oui, la pause a fait mal quand même, on a perdu 35 personnes là. Revenez. La pause a fait mal. Alors par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le salon, mon cher Andy, ne m'en veux pas, mais je dois juste corriger un petit quelque chose. Eh ben moi, pour l'instant, je vais relancer un championnat. Désolé pour les gens qui. Voilà. Désolé pour eux. Tu seras crucifié. Voilà, donc on va relancer une game. Là, je pense que ça sera mieux. Vous pouvez nous rejoindre plus facilement. Donc, je vais remettre une fois de plus. Oula. Hop, ça. Et. Castor, non, si j'ai pas de bêtises. Castor Maldonado. Castor Maldonado. Non, mais t'es. Il y a quelqu'un qui manque tes gants, c'est bien sûr Auré Castor. Hein. Oui. Je me dis, qu'est-ce qui me parle de Castor? Non, Auré Castor. Non, je sais, mais c'est. Je dis. Je dis rien que le canal, plaît-il. Oh, tu lags un petit peu quand tu parles. Oui, c'est j'ai parce peur que. C'est que moi. Non, c'est. Ça... Allô, vous m'entendez? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Cognac G, bonsoir. Donc, du coup, je ne vous entends plus. Hey, oui, Léon. Bon, on rejoint la game de notre ami Andy. Dites-moi oui. Pourquoi vous me mettez cette 208 que je déteste? Il y a de l'originalité, je vois. Faut louer des voitures. Hein. Pas bah louer. Malheureusement, la 208 dans Dirt Rally, c'est en rallycross, c'est la meilleure. Je suis pas d'accord. Ah bon? Je préfère la Fiesta en maniabilité. Ah non. Voilà. Regarde. Deux places disponibles. Peugeot. Putain. Maniac. Maniac. Les bonnes références. Ah, évidemment. Bon. Maniac. Je fais comme les connards dans les lobbies, c'est que. Oh, l'homme insupportable. Ah non. Il y a encore deux places si vous voulez venir. Sinon, on va diviser en deux parties, 3 contre 3. Hein. De toute façon, je sais que je serai à chier, donc. Ah. Elle tue la 208. Dans un jeu, oui. IRL. Aussi, en IRL, elle tue beaucoup de gens sur les routes. Hein. Pardon. C'est pas beau. Bon, du coup, la communauté, là. À moins que vous soyez occupé de faire un don sur PayPal, je vous invite à venir rouler avec nous sur... Lidenil, en plus. Ouais. Oui, parce qu'il y a tellement de circuits dans notre rallye en rallycross. Pardon. Ouais, puisqu'on nous a tellement tout vendu, comme quoi il y allait avoir l'OEAC et tout le reste. Ouais. Et bah non. Trois-Rivières et tout ça. Ouais, ouais. 3 contre 3, ça s'appelle Rocket League, effectivement. La Fiesta est un peu lourde.
Ah non. Enfin... Moi j'aime bien que j'aime bien qu'elle soit un peu lourde la Fiesta en rallycross pour le transfert rapide des charges dans les S serrées et tout. Et bon, sur l'Eden Hill c'est pas trop le cas, mais sur la piste suédoise là elle est vraiment à son aise. Ça dépend. J'ai hâte de voir d'ailleurs dans le prochain. Ou alors j'ai pas. On y va peut-être. Allez, on va y aller. Avant que le lobby ne décède. Départ dans 30 secondes. Et monsieur, bonsoir. 81, 82. J'ai fait un retour sur achat pour Dirt, moi. Qui d'autre a fait ça? Ah bah, Emmerich. Ah, François qui est sur le chat, c'est Loki qui roule avec la DS3 louée. Par loué. T'as mis que deux tours? Zut. Et c'est la mourance. En plus, sur le petit circuit. Oh non, mais Emmerich Hein, quoi? Pardon, Andy. Je suis fatigué. Ouh là là. Il y a des bons retours en Angleterre. En plus d'installer chez moi, 26 gigas, c'est un peu long à download. Ah ouais, c'est tu habites dans la Creuse, Vincent Armé? Pardon. C'est de l'humour, hein, je le précise. Putain, je dois tout faire au clavier. Ça, j'espère que dans le prochain, ils auront quand même mis une souris dans le menu. Ah, alors je tombe sur les abonnés, alors que Andy va devoir se battre seul. Ah, quel dommage. Ah, merci pour ce bâillement en tout cas. 4h moins le quart, premier bâillement pour Andy. Je suis en décalé du coup, je vois seulement en train de rentrer sur le serveur. Ah, et j'ai pas d'accélérateur, j'ai pas de commande. J'ai pas de commande. Pourtant je l'ai mis la première. Ah bah non, j'ai pas de commande, j'ai rien dans le jeu. J'ai rien dans les pédales, je démarrerai pas. J'ai rien du tout. C'est quoi ce délire? Je sais pas pourquoi. Chaque fois il me fait ça maintenant. Il sait pas me sauvegarder mon profil d'Earth. Chaque fois que je redémarre le jeu, je dois refaire toutes les touches. J'ai un angle mort. Enfin, j'ai une zone morte d'environ 40 cm. Oui, moi aussi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, c'est horrible. Alors du coup... Dans la vidéo. Désolé, hein, mais... Go jouer au clavier. Ah, serait-ce un défi? Non, ça va. J'ai déjà donné. T'es con, ça, que ça fait ça à chaque fois. Et c'est une victoire du Wheeler. Une dernière course sur F1 2016 pour finir le live après. Pas du tout. Pas du tout. What about no? What about no? Attendez, réglage du vol avancé. Ah bah oui, 20% de zones mortes partout. Ça c'est quand même scandaleux. C'est scandalant. Je n'en croyais pas de mes yeux. On en vient, c'est... Super, bah du coup à la prochaine, je vais pouvoir rouler un scandale. Pas d'Xbox, Max. Ah, au pas d'Xbox, il est super le jeu. Hein. Et je suis en tête du championnat. Et je suis une merde. Parce en que tête du en même temps, je suis devant quelqu'un alors que j'avais pas mes commandes. Hein. vous en tirez les conclusions que vous voudrez, mais... En vous retirant de la vie, non, pas ça. Non. Alors dommage que Geeks soit allé se coucher, parce que Geeks il voulait aller sur Dirt, mais c'était à 2h08 et malheureusement nous sommes 1h40 plus tard. Et nous remontons à 90 personnes, incroyable! La remontada. Ok, pas de soucis, c'était juste pour demander. Bah, pas de soucis, Falcon. Bon du coup, je ferai mieux le prochain... Ah bah là, moi je peux pas faire. Ouais, on est mauvais, hein, c'est de ta faute. Le prochain lobby. Ah, il y a un petit peu à chier le lobby là, pour le coup. Ouais, mais on est 3 contre 3, ça va. Non, mais au niveau des personnes, c'est bien, c'est au niveau des. Mais je suis bien axé. Plus un François, je t'excuse. Andy, on est tête, what the fuck. Pourquoi tout arrive? Quota de. Le quota. Quota d'handicapé. Messieurs, vous vous égarez. Allez. Oh là 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 là, je joue avec le boucher.
marche décalée. Faites pas du souci. C'était moins serré dans mes souvenirs. Ouais, j'avoue, là, le volant de F1, il fait un peu mal au cœur. Easy. Et je me suis fait rentrer dedans dans le dernier tour, tout va bien. Ah, merci en tout cas pour le feedback derrière du live, je sais pas c'est qui. Ah, vous l'entendez? Légèrement. Ah, excusez. J'ai 26 installés, je vais essayer de venir à la prochaine, mais je suis nul. Mais c'est aucun pas souci, on est tous nuls. Le mec, et je remonte à 46 points après cette victoire. Rien n'est donc perdu pour la victoire finale. Bah si, c'est terminé en fait. Je préfère quand c'est serré perso. C'est terminé? Ah. Ah, faut que je refasse le truc bien. Ok. Ben, c'est la première fois que j'en faisais un, donc pour le coup. Alors, du coup. Égalité à première position avec Anedaus. Anedaus, oui. Ah non, d'accord. Alors, je voyais le classement avec 26 points gagnés en fait. T'inquiète, Edouard, pour le ridicule, il en dit. Ça c'est fait. Vous êtes tous des personnes extrêmement méchantes. Je suis voué de toutes les fibres de mon corps. Et vous mourrez tous du typhus. Évidemment. Ok. Alors, on est tous nuls, surtout Andy. Là, non, c'est faux. Parce que Andy, le PPR en Porsche Cup sur Assetto Corsa ou alors en monoplace. Je vous mets votre petite claquette. La claquounette. En attendant, fais ton serveur. Il va mettre plus de tours, Thomas. Ouais. Il est en train de le refaire. Et Andy qui passe par les méthodes vicieuses hein, pour inviter des gens. Oh, et salut Chargy Maxime, qui nous rejoint cette heure-ci. Courageux. Eh ben bonsoir ou bonjour. Vous êtes tous très méchants sur le TSD. Sur le... Ah d'accord, Thomas Pinotto, c'est lui, Aenatus. Désolé si j'ai... Ah, il est passé en 1600, notre ami Emmerich. Eh ben écoute, je me suis dit... Quitte à changer de truc, autant changer de truc. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que t'en penses, Non, je vais pas acheter une Clio Cup, t'es fou, toi. Ah ouais. Je vais la louer. Qu'est-ce que t'en penses, Emmerich, d'être passé en 1600? C'est une bonne idée? Oui, la 1600, elle est belle. Je sais même pas si j'ai déjà testé les 1600. Assez perturbant. Et après, on fera les classiques. Surtout le transfert de masse, c'est horrible avec les 1600. Monsieur Coursipic, c'est gentil, je sais que je devrais mettre les tours restants quand je monte les autres, mais c'est ultra compliqué à faire. Pour savoir où j'en suis avec les montages, c'est tellement compliqué, si vous saviez. Alors, pour le souffre-douleur, non, c'est... Je pense pas être à souffre-douleur, c'est simplement que je fais partie des personnes qui ont peut-être le plus de comment on appelle ça? Pas lui... Lucidité. L'humour sur soi-même. Auto-dérision. Auto-dérision, c'est ce que j'ai dit, oui. Pas beaucoup de vocabulaire, mais beaucoup d'auto-dérision. Voilà, j'ai de l'auto-dérision, donc on peut faire de l'humour sur moi sans que je le prenne mal. Donc voilà. Il y a quoi comme catégorie sur Dirt Rally tout. Eh ben on va pouvoir commencer vu qu'il y a tout le monde est là. C'est parti. Alors attends. Voilà. Je viens de muter tout le monde. Il y a quoi comme catégorie sur Dirt Rally? Salut à Monsieur Moule, évidemment. En rallycross, je crois qu'il y a les 1600 et les... Et les WRX, ouais. Les WRX, c'est tout. Courageux ou stupide que faire debout à cette heure-ci. Nous regarder. Allez, il y a DJ Shiva qui nous a rejoint. Ouais, je suis avec Maxou. Et j'ai rêvé ou j'ai vu un autre drapeau belge? Monsieur Moule, hein.
Enfin, MR Moon. Et c'est la découverte, les 1600... Enfin, les 1600. Ah, Sisker F1, ça c'est cool. Shiva est là. Tu les as testés à la découverte, les 1600, il y a bien longtemps. Ouais, mais les 1600... Alors, je sais pas si quelqu'un peut me donner la touche du rétroviseur, parce que j'en ai pas. Ça risque d'être chiant. Oh là là. C'est fait. Bonne chance pour vous. Oh really? Ah je suis en décalé, là on est à une seconde du départ, ça y est. Ah tu vas voir, tu vas te marrer. Nulle part. En fait je suis perturbé parce que le circuit est mouillé, je crois que j'y ai jamais roulé. Ah oui d'accord. Sous la pluie. Faire au dos, souci de plaquette de frein. Ah, et le magnifique pédalier d'Andy qui queen. Yes. Oui, parce qu'il a acheté le T3PA, mais pas le pro. C'est en plastique. Vite, vite. Si, si, il queen trop, je comprends. Le joker est à côté. Mais moi il me manque des affichages, j'ai plus rien en haut. Normalement j'avais mon classement et tout, qui a pris le joker et qui ne l'a pas pris. Là j'ai rien du tout. Bah tout le monde l'a pris, et tu es second. Yep. Il reste deux tours. Tu sais, je suis le spotter en course. T'as l'impression que c'est d'être à 6h du matin, et de toute façon tu es en place, sans pédaler là-dessus. Ah, j'essaie de me faire couiner comme il faut, j'y arrive pas. Je souffre tellement, quoi. Alors malheureusement, je regrette les amis, je ne vous entends pas bien, le son du jeu est très fort. Ah, enfin, Andy, ça va, mais Emery, je t'entends un peu plus loin, donc je vais devoir corriger ça. Ça, c'est bizarre. Ouais. Ah, ça joue des portières. Si vous avez des questions dans live, n'hésitez pas, hein. Pas, donc je peux lire des questions sérieuses, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Sa force! Sa force, on n'a pas de race! Rien, ça me casse! You know what, Charlie? Honestly! Ah, ce qui fait. Les commissaires m'ont regardé si t'as pas un peu coupé. Évidemment que j'ai coupé, j'ai traversé le bac en volant à mettre du sol. Même Gilbert Montagnier et Richards, il aurait vu. Ah, on vient de voir le passage en France. Oui. Ça. La victoire. Enfin. Ah. Que le oui, jeu t'as est pris une pénale touche, comme dirait notre ami. Loul, 5 secondes. Quel jeu de merde. Quel jeu de merde. C'est le mec gros rageux. j'ai fini 3ème. Ah, je perds. Ah, le jeu de merde. Le jeu est un peu fort. Mais le problème, c'est que si je vais pour corriger le son, je perds toute dignité en fait. Je suis Monsieur Moule, Edouard Gérard. Ah, c'est lui alors, Monsieur Moule sur Dirt. Je sais pas ce que j'ai enlevé la musique dans les temps de chargement et c'était un blanc extrêmement angoissant. Dieu, je joue de la guitare. Les gens ne veulent plus te poser de questions. C'est le moment, allez-y. Ils sont timides maintenant. Après, il sera trop tard. Pourtant, vous êtes 90, hein, donc il y a moyen. Oh, tu me déçois de plus en plus, Max. Pourquoi? Non, non. Très bien.
Voilà. Dans ta série Power Stage, tu comptes faire des rallycross yep. ou pas? J'ai répondu, je crois, 7 fois voilà. en commentaire à cette question. Tu les fasses en live, lol. Ça, tu peux toujours t'asseoir dessus parce qu'il faut faire le montage, mon cher Andy. Non, vaut mieux les faire en offline. De plus, l'IA est pas mal. Rallycross, oui, très bonne. Non. C'est même pas une vanne, c'est vraiment que. On voit les riches qui ont pas loué leur caisse, hein. Franchement. Je peux louer ma caisse. C'est vrai qu'elle est belle cette fille. Ouais, non, mais sinon, il y a Cheater Jean. Je sais, j'ai rien. Il y a quoi? Cheater Jean. Tout ça. Tu fais souvent des nuits abonnés comme ça. Je suis pour ces pics. C'est vrai, vous, tout le monde est parti en Joker là. Ah, Maxou est sourd, donc il ne m'entend pas quand il joue. C'est quoi, c'est ta troisième nuit des abonnés, je crois? C'est ma troisième, je crois. Ouais. Donc, troisième en deux ans et demi, ça vous donne une idée de la régularité du truc. Et d'autres arriveront après. Ah, j'ai pas de circuit pour ça là. Il y a un endroit où tu peux te taper un mur juste en sautant un petit peu. Et chez moi, ça essaye dur. Toutes les courses en dirt ont duré moins longtemps que le choix de voiture sort assez tôt. Ça c'est fait. Oh, joli l'intérieur. Merci. C'était il y a deux tours pour moi. Mais... Ce qui est chiant, c'est que j'ai absolument aucune info. Je peux te les dire, mais avec deux tours de retard, si tu veux. Ouais, non. Oh, le coup de volant. Voilà, je termine en marche arrière. Ah, du coup, c'est bon pour le classement, si t'as pris un... Ah, bah, j'ai terminé dernier, pour un petit coup, là. Ah, 0 points pour tout le monde. Ah, ça y est, enfin. Alors, le classement va être archi serré, je pense. Oh mon dieu. Je crois qu'Emeric a lu le message de Solitaris. Ouais. Allez, tous vous faire enculer, c'est possible. J'en ai vu des mots, le restaurant, hein, tu peux pas dire ça. Chez Léon. Chez Léon, ouais, Léon de ça. Oh mon dieu. Heureusement que j'ai pas laissé le chat sur les vidéos quand il y a les courses, parce que ça aurait été... J'aurais dû tout flouter, quoi. Allez, on va en déterminer qui c'est qui va gagner cette affaire. Attendez, les gars, je règle un peu mon pincement. Ouais, je vais mettre un peu plus de pincement à l'avant. Par contre, ouais, quand... Quand t'es in-game, t'es sourd comme un pot, le jeu il... Ah, je suis désolé, je réglerai après celle-là, promis. Tu ouais, vas du coup, à dans 3 minutes. En F1. Non, ça coûte voilà. trop cher pour ce que c'est. Voilà. Surtout pour un box inter. Il a vu. Qui partira dernier. Quatrième position. Saloperie, il a de la relance avec sa petite merde là. Oh, je suis extérieur. Ah non, c'est simple. Enculé. Aïe. C'est show time. Salut le chauffeur. Max, tu te rappelles de ce fameux live que tu as jamais proposé de voter sur le car. Alors, les gens ont été très très méchants. Voilà, c'est tout ce que tu dirais. Ah non, non, ça n'a rien à voir avec ça. C'était autre chose. Ça, okay. Si j'ai bien compris la personne, c'était plutôt la vidéo, enfin le live qu'on a fait pendant la saison 2. Ça, c'est
faut que la personne... Oh, cette bagarre ça, avec les vignes supercars, c'est ça. Et t'as deux qui dit très grande soirée. Ouais, le streaming français s'en est vu grandir. Ah ouais. Oh la vache. C'est chaud. Caen, on dit. Avec la bouche. Ah, il pousse! C'est quasiment la gagne là! Ça bataille sec là, ouais, c'est clair, les cours que ça y va. Ah, c'était ça, c'était clair là. Yes! C'est fait! Vas-y, fais un 3-6. T'es fou ou quoi? Ah, ça va être juste! Pas dit ça, pardon. Allez! Sur ce coup, il avait raison. Oh, j'ai deux flèches derrière, je vois absolument rien. Je sais pas qui va m'attaquer de quel côté. C'est très très chaud. C'est extrêmement chaud. Alors que. Oh, ça pousse! K. Ouais, c'est bon, tu l'as. Yes! Yes! Ah, quelle était belle! Bien joué. Merci, bien joué à toi aussi. Elle était chaude. Vous en pensez quoi? Ah, ouais, j'ai pris une pénalité. Ah, échec. Ah, c'est bon. Ah, j'ai un petit... C'est sur Forza Horizon 3. Ah, ah. Le petit truc, c'est parce que t'as fait le meilleur tour. Ah, pardon, je pensais que c'était signal de pénalité. Ouh. Et je pense que tu aurais... Ah! Ah, non, c'est... Il a été chaud sur les deux premières. Non, je quitte cette game. Thomas. Non, je déconne. HTF, ça dégage. Allez, bon, promis, je vais baisser le son un peu des moteurs et je vais augmenter le son de nos amis. Alors qu'il y en a qui font des tours avec les. C'est toi avec la 207 qui fait n'importe quoi ? Oui, ils font un peu n'importe quoi après les voitures. Ah oui, parce que je me dis, c'est pas. T'as entendu ou pas, Maxo ? De quoi ? On fait la même. Il y a quelqu'un qui dit, sinon vous en pensez quoi du nouveau DLC sur Forza Horizon 3 ? Ça a l'air très fun. Alors attends, je vais juste quitter le salon, laisse-le comme il est, je vais changer le son et je reviens. Ça attends. Marche. Tu pourras me renvoyer une invitation d'ailleurs, si tu veux bien. Non. Non. Je vais devoir rejoindre ta game. Attends. Y'a pas de soucis. Ah, par contre, allez, on va changer un petit truc. On va mettre ça. Ah, d'accord, y'a une 208 qui est passée dans le public. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. On se demandait quoi. Ça, c'est une 207, Emmerich. C'est pas grave. C'est pas grave. T'en voudras pas, écoute. T'es pas méchant. Non, je vais pas quitter. Donc, si je fais ça et je fais Andy Weller, elle est ici. Voilà. Elle est juste évidemment. Je me suis lamentablement raté, Edouard Gérard. Mais non. Alors attends, y a que des Français, des Belges sur ce jeu. On passe sur de la. D'accord. Nous passons sur de la classique. Ah, on passe sur du cœur. Ok. Ah oui. Il est cheaté, donc Thomas Pinotto. Si vous voulez que je change, je change. Non, 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 je t'en prie, reste là où tu es, mon ami, pas de soucis. Ah, je viens de voir que je suis absent sur mon Steam, apparemment. Ah, c'est que t'as rien fait depuis un quart d'heure. Via ton live, je me dis, ah bon, je suis absent. Ah, parce que moi, je monte mon Steam, hein, je monte tout le monde. Ah, bah moi, ce sera vite réglé, de toute façon. Bah, tu peux lancer, hein. 18 secondes, impeccable. Donc, 3 manches, on va à Lies, en Suède. C'est exactement le même circuit, je me suis pas ennuyé à faire tout. Trop bien. Ah bah, attends, il n'y en a pas... Hein, de toute façon, il n'y en a pas 15 000, hein. Ça va sembler répétitif. Alors qu'il y aurait Mété, il y aurait pas mal de. Bon. C'est quand même le jeu officiel du WRX. Hein. Ouais. J'ai envie de le rappeler. Alors, pour ceux qui disent le petit fail à l'avant-dernier tour, c'était pas célébration de victoire, c'était célébration de l'avoir doublé ce salopard. Voilà, juste ça. Et Solitaris qui a fait une blague extrêmement drôle. Voilà. Andy Weller, l'heure est là, sur mon poignet, évidemment. Bravo. Alors attention, parce que là, là on tape la voiture du père de Jenson Button. Ça, c'est du lourd. Ah. John, de son prénom. Yep. Et du coup, Andy qui est de nouveau parmi le bas du peuple, hein, j'ai envie de dire. Parmi les d'un crudit, hein, même si j'étais petit, les deux pétards, ils l'ont pas entendu. Normalement, vous devriez un peu plus entendre les voix de mes petits camarades, sinon je vais encore devoir augmenter le TS et faire une petite modification.
Salut. Oh, ce son. Ah, il y a Malik qui va se coucher aussi, qui dit merci BLM, Maxou et les autres, mais il faut aller se coucher. Merci et à bientôt. D'ailleurs, ça va bien mieux pour entendre Emric. Ah. Ah là, on me met dehors, c'est pas beau. T'as le frein moteur quand tu remets en première. Non, tu peux pas repasser en première, c'est atroce. Est-ce qu'il y a une troisième vitesse? Oui. Il y a une quatrième. Quand ta carte réseau décide d'aller se coucher plutôt que toi, et t'as Doc qui lui répond, brûle là. Max, hein, égal à lui-même jusqu'au bout de la nuit. Passer par le toit pour me mettre dedans, dans mon berceau. Voilà. Ah ouais, c'est marrant, mon père en avait une aussi. Quand j'étais bébé. C'est marrant, toi. Hop là. Bah, c'était le moment raconte ta vie. Maintenant, ouais. Maintenant ça va être la skyroulette. Alors, tu as 14 ans. Je vais aller plus se maquiller. Hop, hop, hop. Je vais te voir, c'est mon Rocco. Course de ton de vie. Je crois que la voiture de devant prendra son joker en dernier tour. Ça, une smart avec un moteur d'Hayabusa, c'était monstrueux le truc. Ne pas passer la première en alors que nous avons bientôt les 24 heures de course tondeuse, c'est véridique, dans les Ardennes. Des machines qui vont à plus de 80 km/h. En fait, y a bien moyen de te casser la gueule à 80 à l'heure là-dessus, tu peux bien te faire mal. Ah bah, en plus, tout à l'heure on mettait des vidéos, les mecs ils ont mis des sièges du jardin comme si elle juste à mourir de rire. Il vient nous avoir coup de cacahuètes ce soir. Ah, Maxou, est-ce que tu as Valentino Rossi The Game? Ouais, et le test est dispo sur la chaîne. Voilà ce que a mis Monsieur Course Épique. Pourtant, Dieu sait que je suis un fan de Rossi, mais mon jeu. Voilà. C'est dommage parce que Valentino Rossi, The Game, c'était très intéressant pour tout le contenu qu'il y avait. En plus d'un MotoGP classique, t'avais les deux dernières saisons de MotoGP, Moto2, Moto3, plus toutes les classiques de Rossi. J'avais trouvé ça génial. Et du rallye. Avec du drift, avec les magnifiques. Ouais, bah le drift était quasiment aussi. Non, j'allais dire aussi bien fait que dans Dirt, mais ça aurait été une insulte. Eh bien, je crois que l'homme de tête n'a pas pris son tour Joker, donc va être pénalisé. Ah, c'est bizarre. 2017, si j'ai pas de conneries, qui va bientôt sortir. Ah, et Natus a donc pris son Joker. Bizarre. Ah, d'accord, je finis deuxième de ma course, je suis quatrième au général. Ok, d'accord. Tout va bien. Waouh. Ça apprend à compter, quoi. Wow. mais qui a volé ma puissance? Edouard Gérard. Ah, Max, Max, il perd pas le nord. Hein. Max, c'est le Mac du sim racing. Quoi. Il recrute même sur Mudchat. C'est incroyable. Bah, je suis encore avec les prolos. Chier. Attends, cette fois-ci, je vais enfin avoir des pédales qui fonctionnent. Hein, c'est quoi ça? Red bar. C'est quoi ce que... Voilà. Alors normalement si t'as Red Buy, ça veut dire que t'as Mrato, Ouais. Voilà, donc tu vas le bannir. Hein. Max! Allez, ça part sur un ban. Je ne suis pas modo. Essaye de prendre le joker au début de la course. C'est faire ta place sur la grille est optimale pour cela. Parce qu'on ne mène pas.
que je ne t'oublie pas. Et il y a le même problème que dans les autres, il y a des trop faciles à mettre au plus haut niveau. Le problème, c'est que c'est de la merde. De quoi? De l'accès au Rancis de Game. Ah, ouais. Je crois qu'on est tous d'accord pour donner un avis constructif en disant que c'est de la merde. Ah ouais. Et pourquoi tout le monde est transparent cette fois? Ah pourtant j'ai mis les contacts. Hein. Non mais juste cette course-ci, tous ceux qui gravitent autour de moi sont transparents. Parce que tu es l'hôte, le VIP, donc tu peux pas être touché. Le Deus du lobby. Le Deus. Il est omnipotent. Eh oh. Non mais quand je vois les sous que la mini elle fait, mais en IRL. Moi aussi je peux t'insulter hein. Le mec il comprend pas, tu sais. Eh hey, ta mère aussi hein. Ta mère aussi elle est omnipotente hein. Le son des caisses de Dirt. Bah je ne peux pas le mettre parce que sinon ils ont un retour casque, c'est horrible. Je vois mieux fait. C'est rien gamin, ce sera comme The Artist. Et d'ailleurs le chien de l'été. Ah putain elle est bon. Ça. C'est vrai en plus. Emmerich, il devrait bosser à Closer Emmerich. Certes, mais j'ai plus de 40 pilotes, entre parenthèses, un peu fou à tenir, c'est pas facile tous les jours. Un peu fou, ça va, je crois que je me suis fait avoir sur la ligne, je suis P3. Pourquoi c'est de la merde alors monsieur? Mais allez, je me fais avoir pour 2 centièmes, quoi. Je le répète, je suis fan, archi fan de monsieur Rossi, mais les jeux, non. Non. Pourquoi c'est de la merde? Il faut acheter MotoGP et puis c'est tout. Vous voulez un bon jeu de moto, achetez MXGP. C'est du rallye, c'est du motocross, mais c'est génial. Ouais. C'est vrai que le son des caisses dans Dirt est vraiment pas mal. Sinon, sur PS, il y avait Tourist Trophy. C'était un très très bon jeu de bécane. Je l'ai dans ma petite collection. GP500 ouais. Sur PC, les enfants. Ça, c'était du jeu de moto. Temps. Ah, je suis relégué avec Les deux temps, parlons-en, Rossi se retourne en faisant un doigt d'honneur à Max Biaggi, qui l'avait poussé dans l'herbe en ligne droite. Le deux temps, c'est bien, mais ça pue. Ouais. Et ça pousse. À ne pas mettre entre toutes les mains. PLM, on peut encore postuler pour la F3, bien sûr. Je peux. Il a dit, je pense que c'est samedi qu'il fait des tests, si je dis pas de conneries. Tourist Trophy était terrible, oui. Donc, conclusion, je ne vais même pas l'acheter. Non, garde tes sous. Non, achète-moi FIFA. Ouais. Et avec des packs de. Avec des packs. Ça va. Le jeu, ils ont quand même le culot de le vendre encore aujourd'hui à 53 balles, quoi. Samedi après-midi, les essais pour la F3, si vous voulez. Ce samedi? Mettre de lien parce que je suis pas modo, n'est-ce pas? Ouais, faudrait que je te passe modo. Moi je suis en course. Bah t'es modo, mais t'es pas. Ah non, t'es pas modo, même pas! Mmh. Ah bah fallait le dire, vieux, j'aurais mis modo. Ouah, fait. Oui, il est ok pour un certain niveau. Non. Alors, non, pour le dangereux, ce qui est sympa dans son championnat, c'est que non. L'eau. Wop. Reconnaître ses erreurs. Mais avec l'auto. Avec l'auto. Ceci n'est pas un message codé. Pas du tout. Et non. Voilà, comme l'a dit Doc, pas un niveau de panne, pas un niveau en temps. Voilà. Oh putain, avec la mini là sur le vibre. Ouais, c'était pas volontaire. J'ai que des jeux tels que Pécard, Assetto et F1. Ben, RIP. Non, je déconne. Ça va, franchement, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Ça va, après clore le débat, Pécard était un très bon jeu qui a été abandonné. Ah, bon. Promesse, tue les promesses. Ouais,
qui était abandonné par des gens compétents pour des blés. Ouais, voilà, pour des putains de marchands. Ok, j'ai respecté les consignes, drapeau, tout ça, oui, bah le truc classique, tu fous quelqu'un en l'air, tu l'attends, tu ne reviens pas en piste comme un bourrin, enfin oui, c'est. Le fair play quoi, enfin c'est. Fair play. Défenseur, je pars en croisade pour ça, pour le fair play. Et le respect des drapeaux. Putain de voiture de brin de merde! Ça y est. Putain! Après, on peut pas t'en vouloir, c'est toi qui l'as choisi aussi. Shit! Je suis con, c'est. Ah. Elle est bien, ce Toto! Ah, pas mal! Ça l'entend, hein! C'est nul, je suis tombé dans la division 2! Celle que les gens ne payent pas l'abonnement pour la suivre. Ah, je prends 27 points. Ok. Ouais, ça t'a 2 points de bonus parce que t'as fait le meilleur tour en course et le meilleur temps de course des deux manches. C'est donc deuxième. Et il est fini le championnat. Tout à fait. Donc je suis officiellement le pouli d'or du rallycross sur Dirt Rally. Le pouli. Le poupou. On en fait une, du coup. Allez, une petite dernière, hein. Et Andy qui m'envoie allègrement dans le décor dans le troisième tour. Ma vengeance sera terrible. Alors, Balek. On est mauvais. Comment faire des serveurs sur Assetto Corsa? YouTube est ton ami. Ouais, le souci, c'est que je connais ton pseudo. Et du coup, hop, alors, il est où? Je tiens à présenter mes excuses à 6 scores à Eiffel que j'ai cartonné. Ben voilà, c'est bien. Oui, c'est exactement ce que je vais faire. Oui, monsieur Corsipi. Tournant de nazi. Mais non. Jamais. Non, je viens de quitter mon propre. Sinon, Maxou sera d'accord, les Tokares Driver dans le temps, c'était top. Dans le temps. Et les circuits complets, il demande aussi. Alors. Tokares Driver. Avec les dégâts qui étaient phénoménales. Mais du coup, techniquement, j'ai plus pour. Non, j'ai plus accès à... Je sais pas qui c'est qui est. Modo, c'est Thomas. Fin du game. Ah, chier. Bah attends, je relance ou on reste là? Non, on reste là, c'est bien comme ça. Bah c'est Thomas qui... Non, c'est qui? C'est Siliscorf qui est Modo. Enfin, qui est... Alors, est-ce c'est que... ça, dans le dangereuse, oui. Pour postuler, tu mets un message et tu auras les community managers qui vont te répondre. Les community managers. Et samedi, comme disait Doc, après-midi, apparemment, il y aurait un test des essais. Du coup, ouais, si on peut avoir les circuits complets, ce serait cool. Le petit Kevin est demandé. Snake. Départ dans 30 secondes. Ah, ce barreau, qui c'est qui a pris ce barreau? Navi. Comme à toi. La Subaru. Question pourrie, pourquoi ne fais-tu pas des courses avec des voitures civiles? Parce que ça n'a pas d'intérêt. Je pense. Oui, je suis d'accord. Sinon, il y a Fast and Furious pour ça. Le 9 et le 10 vont se passer dans l'espace, apparemment. Yes, on passe sur des circuits d'hommes avec des voitures d'hommes, ça fait plaisir. Tu veux dire que mon choix de truc était nul? Mais en même temps... Merci. Non, mais ton silence est approbateur, ok. En même temps, là, on a des circuits qui font plus de 4 secondes au tour, donc effectivement, c'est tout de suite plus intéressant, quoi. Et je suis encore avec les prolos, chier. Non, Jimmy Broadbent peut pas contacter, non. Je l'ai bloqué. Demandez par sa maman à l'accueil. De grâce, venez chercher le petit Kevin. Bon alors. Pourtant, une Honda Civic coupée 1998 montée, c'est tellement amusant. Ok, donc la première n'a absolument aucune range.
D'accord, donc là tout le monde y va. Oh, y'a des bolos, y'a des bolos. Oh putain, je me fais sortir, c'est pas vrai. Ah, dommage, j'aurais bien aimé te voir te battre dans une M3 E36 ou 321 ou une M5 E34. Yep, et sur quoi? Sur quel jeu du coup? Je sais pas, je sais pas. On l'a expliqué. Il y en a qui partent sur tête à queue avec la polo, là je sais pas c'est qui. Ouais, il est parti très très loin au départ. Ouais. Oh la vache. Et on a droit à un double tonneau. Oh c'est magnifique. La récupération de la DS3. Maradona. El Pozzo de la Eternidad des Maradona. Oh oui. Et ça continue. Et ils se mettent dehors. Et là Emmerich se dit mais je veux voir. Ouais, je suis en retard, je vais attendre. Allez, 600 chevaux de la Subaru, pour les passer au sol, faut y aller. Hein. Enfin, 500 aidés. Oh. Oh. Pourquoi elle fait ça? Oh, le deux roues de la voiture devant, c'était magnifique la DS3. Putain, je suis devant des enfants qui se battent pour un goûter, quoi. Allez, one down. Alors oui, sur Assetto, tu as aussi oui, du rallycross, mais c'est... Sur Assetto? Ouais, bien sûr. Ouais, en mode. Ah oui, je sais, oui, oui, oui. Je pensais qu'il pensait de base. Non, 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 mais c'est trop plat. Alors, tu as bien fait de ne pas dire c'est de la merde, parce que je connais le gars qui les a développés. C'est de la merde. Même si c'est de la merde, je le dirai jamais, je dirais... Je connais le mec qui a fait la physique de la DS3 WRC, de la Fiesta WRC et de la Polo WRC pour le mode rallye de... C'est un Allemand. Sébastien Klose. Pardon. C'est toujours marrant quand on gueule de l'Allemand. Oui, les petits soissons, Katsouille. Pardon. Retenez-moi. Dommage qu'on n'ait pas de bons jeux de moto, j'adore... Les Ducati et Marc VDS. Alors Marc VDS en moto 3, oui. En moto 2, oui. En moto GP, non. Ah c'est Honda hein. Et les Ducati, voilà. Oh Cati Cati. Ouais, je suis pro japonais. Oh là là, mais trop de taux de transfert de charge. Trop de transfert de charge avec cette Subaru. C'est historique, mais. Moi le jour où ils sont passés en embrayage liquide et pas sec, ben voilà. Ça a été la mort de Ducati pour moi ce jour-là. Parce qu'avant, quand t'avais un pote qui avait une Ducati, tu pouvais te foutre de sa gueule avec une caisse à outils, la secouer, parce que tu faisais c'est le bruit de la cloche embrayage. Maintenant tu peux plus. Maintenant tu peux plus, c'est de l'huile. Mais tiens, c'est vrai, y a pas de mec qui fait de... Enfin, tu me dis, y a pas de championnat de ça en ligne. Moto, pas. Rien. Y'a que dalle, hein. Demandez à Galax. T'as pas le droit. Papalo, polo. Pourquoi tu dis que c'était des circuits d'hommes? C'est exactement le même circuit. C'est pour ça? Bah, c'était déjà des circuits d'hommes. C'était un complément. Je vais désormais me cacher. La DS3 a un sacré coup de volant, la moule en PLS. Ouais, j'avoue. Mais là, c'était très très chaud là de tomber dans le peloton où on était parce que t'avais des coups de portière qui se perdaient, mais c'était la Normandie quoi. C'était. Comment ça se fait tard? Mais non. Comment ça se fait tôt? N'hésitez pas, dans une heure ou deux, il y aura la soupe aux oignons. Putain, il est tellement au Valium, mon ingénieur, putain. N'hésite pas à prendre le tour de Joker. Hein. Et moi je dois prendre la route pour aller chez ce pépère, je pense à ça en plus. Merde, c'est pas. Non, c'est ma faute. Oh putain. Ce qu'on appelle dans le métier la mauvaise pédale. Je vais y aller, merci pour la soirée les gars, Loïc. Et bah bisous Loïc. Bisous Loïc. Salut la Bretagne. Ouais. Un sacré mec, Loïc. Et j'ai fait un tonneau, oui, elle est belle. Oh là là, je suis nulle part, c'est fini. C'est la course de trop.
l'axe qu'un imbécile à mettre. Alors non, pas imbécile, on a pas le droit de dire ça. Mettre le niveau. On peut le penser, mais on peut pas le dire. On peut tout penser, mais on peut rien dire. De toute façon, prochaine vidéo, ce sera conduire dans le Retroximator avec un camion Red Bull. Pardon. Ouais, Doc nous invite. Ah. Je sais pas ce qu'il prend à la boulangerie, mais j'ai des plaques qui me viennent et j'ai pas envie de les sortir là parce que. Bah, y a pas une. Une tête de nègre, pardon. Y'a pas une boulangerie. Une boulangerie homosexuelle à Pigalle ? Oh là. Ah, ah oui, ils font des baguettes zizi ! Ils font des baguettes zizi. C'est connu ça, ouais. Enfin, on me l'a dit. Hein. Mais enfin, c'est pas possible, si, ils vont dedans comme ça là. Elle est atroce cette. Pigalle. Elle est atroce cette Subaru. Des choses à Pigalle. J'ai voulu la prendre pour faire plaisir, mais. Fait. Ah, personne qui m'est rentré dedans comme ça, je suis un gros. Ah bah c'est la dernière place hein. T'as... Ah je prends. Ah je prends 10 secondes de pénalité. Ah là là. Ah aïe 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 aïe. You got the salt. Un peu. Parce que je me suis fait rentrer en même temps, Galax c'est un petit gamer, level nounours qui touche à tout, donc bon s'il s'adresse pas au gamer hardcore loin de là. Non allons, mais non, c'est non, qu'au non, début non. Il se prétendait l'être en fait. 100% simulation. Il avait une chaîne simu. Ah ouais. D'ailleurs, on rappelle hein, les séries F1 sans DRS. On ne savait pas ce que c'était. 100% simulation. Il excelle dans quoi, sérieusement? Dans Euro Truck Simulator. Dans la connerie. On va se calmer, messieurs. Non, non. Il fait du multigaming. C'est, ah, moi, c'était, c'est... moi, lui, c'était Euro Truck Simulator. Franchement, il m'a fait découvrir des. Yep. Quand tu voyais des maps, des modes et tout. Ouais. C'est du multigaming, mais c'est compliqué. C'est ça le résumé, c'est bien, c'est compliqué. Alors je vais ouais, essayer voilà. De poutrer Andy Wheeler dans cette dernière course. Eh ben ça ne sera pas possible vu que nous ne roulons pas ensemble. Si, 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 au général. Ah, ah voilà, pas... j'ai tellement morflé avec cette voiture. Ah, ça j'étais pas au courant, tiens. De quoi celui-là? Ah oui, d'accord. Il reparle des gars. Je pense que je dois faire des frayeurs à certains en prenant le tour Joker au départ en étant à l'intérieur. Doc, t'es pas possible. Galax, c'est qui 30 petits points, le vieux. Le vieux, hashtag le vieux. Ouais, t'as rien manqué, Max. Hein. Alors, j'ai un coup de pare-choc à donner là. Chez moi? Ah non, t'es pas avec ah, moi. Non, chez la personne qui est juste devant moi et qui m'a dégagé comme un gros sac. Voilà. En WRX, c'est un prêté pour un rendu. Ah, c'est la guerre. Comme quand t'es en point fait, tu l'es, c'est compliqué. Oui, allez. C'est ça. Andy ne comprendra pas, mais oui. Oh là là, oh là là. Oh, sa taille des costards. Non, le mec, il va être prêt pour Nouvel An, quoi. En plein mois de janvier, il est déjà prêt pour l'année suivante, quoi. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est comme quand t'es en coupe, en fait, mais tu l'es, mais c'est compliqué. Non, tu es très méchant. Tu es laid. Tu es laid. Tu es laid. Mauvaise. Et le final lap. C'est vrai que j'étais sorti d'une belle, je disais tu es laid. Mais qu'est-ce qu'il est laid. Laid. Non, à l'armée, j'avais quelqu'un qui disait toujours un mauvaise. Vermine. Pisser de rire. Pardon. C'était ça, c'est en plein exercice. Mauvaise. Rip in peace, Andy. Ah, et ripé en pièces, c'est pour le coup. Alors là, mon retour de force m'a donné un coup au moment de presque de passer la ligne. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu un coup comme si j'avais une pierre sur la. La DIN m'a fait découvrir des jeux et des modes intéressants. Voilà, c'est pareil. Sur un autre truc. Ouais, mais il y a 4 ans. Quand t'étais aussi en train de muer et que tu supportais quelqu'un qui muait devant toi. Et qui était chaud en plus. Qui était chaud à 17 ans. C'est quoi cette référence? Qui était chaud. Il avait pas de cheveux. Non. Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est chaud? Je sais pas moi. Tous les méchants dans les films ils sont chauves, regarde. Mais c'est clair. Tu connais un gentil qui est chauve, un gentil chauve? À part Michel Blanc. Vincent Lagaffe.
Oh, Michel Blanc. Vincent hein, Lagaffe. Ah, c'est vrai, c'est un gentil chauve. Mais bon. Est-ce que c'est pas la donnée X la plus improbable, Vincent Lagaffe? C'est pas faux. Et donc, je score 27 points contre Andy Wheeler qui en marque 18. Donc, je le poutre au classement pour, évidemment, ses 8 points. Hein. Voilà. En même temps, je suis à 2 points de gagner. Donc, c'est pas juste. 69, 70, 71. Bon, bah voilà. Hein, quoi? Je pense qu'il est temps. Moi, je vais quitter cette pièce. Mais je m'en vais, j'ouvre la fenêtre, je saute. Mais avant, je vais vous offrir un petit cadeau. Ah, je sais déjà ce que c'est. Ouais. C'est quelque chose qui avait 10. Non. T'as Emmerich, quoi. Oh. Tu sais, le mec qui arrive à Noël, il fait « Ah, tu te rappelles, tu sais, il t'offre un cadeau, il fait « Tu te rappelles le joli pull que tu voulais avec les voitures en taille 2XL ?» C'est pas ça du tout. Ah, une serpillère, non, c'est un gilet. Ah, merci, je vais le mettre dans les poubelles. Le bonhomme Michelin est chauve et gentil. Oui, mais il est gros. Pardon, non, je... Et alors? Comment tu peux avoir confiance en quelqu'un qui est gros? Et chauve. Alors là, n'essaie même pas. Oh là là. Racisme du type, quoi. Attention, hein, ça prend au second degré. Hein. Bon, bah, tant mieux. Merci pour ce moment. Oui, c'est à la mode comme phrase en France. Donc, merci pour ce moment. On se donne rendez-vous d'ici quelques heures donc pour découvrir la formule hybride. Ce sera on-board, hein, y aura rien d'exceptionnel. Donc merci à toutes celles et ceux qui auront vu de près, de loin ou participé à cette nuit des abonnés. Merci pour la libre antenne, merci pour Dirt Rally, désolé pour Assetto Corsa, merci pour Race Room, merci pour FR 2016, merci à Andy et à notre ami Emmerich pour le temps. Merci également à Maxime Monet qui est passé vite fait. On va se retrouver, je pense, assez rapidement en live pour une nouvelle nuit des abonnés. On va garder ce Discord sous la main avec ce chat et ce canal et on va voir ceux qui veulent éventuellement venir discuter de temps en temps sur ce genre de canal. Donc voilà, c'est quelque chose qui va être, je pense, sympa. Donc merci à toutes celles et ceux qui étaient là. Merci messieurs, merci Andy, merci Emmerich. Bah, de rien, c'était génial à refaire. Et voilà, bah maintenant on va refermer cette diffusion et on vous dit eh bien à la prochaine pour une nouvelle nuit des abonnés. Il y aura des lives cette semaine, restez attentifs, on se retrouve mercredi pour la FFSCA et jeudi pour la Porsche Supercup. Voilà, merci à toutes et à tous, passez une bonne fin de nuit. Bonne fin de 1er mai, mais c'est un peu tard. Donc voilà, à la prochaine, salut.